groupe Electro Family qui danse la danse électro à Montréal. Alors, peux-tu m'expliquer un peu c'est quoi la danse électro? La danse électro, c'est une danse qui est née il y a environ 4 ans en Belgique tout d'abord et qui s'est développée en France. Puis la danse électro puis la danse tectonique, c'est pas la même chose, non, c'est ça? En fait, la tectonique, c'est une marque de commerce. La tectonique, c'est une marque qui s'est affiliée à la danse et qui a fait la promotion de la danse en France et les gens ont associé cette marque à la danse, ils ont commencé à appeler ça la tectonique, mais en fait, c'est la danse électro, parce que cette danse-là, c'est danse sur la musique électro. OK, je suis présentant maintenant avec Ismaël, qui va nous expliquer les origines de votre formation et comment vous avez réussi à tout monter ça. Ben, premièrement, on était 5 fondateurs, chacun dans son sous-sol à se pratiquer et tout. Puis à un moment donné, on a su que chacun de ces personnes-là dansait la tecto, ben, l'électro en fait. Et on commençait à se pratiquer en groupe. Puis c'est là qu'on a commencé, on a formé quasiment notre groupe Electro Family. C'est maintenant le temps d'aller voir leurs prestations, alors bon spectacle! De retour avec le groupe Electro Family. Comment s'est passé votre spectacle? Ben, en fait, le spectacle s'est très bien passé. Tout le monde a bien fait son rôle. Il y a des gens qu'on ne voyait pas beaucoup pratique, mais ils sont vraiment améliorés beaucoup chez eux. Et puis voilà, je suis vraiment fier de mon groupe, quoi. Alors, je voulais savoir, vous venez présentement de faire un spectacle bénéfice pour une cause qui vous tient à cœur, j'imagine. Mais normalement, vos spectacles, vous les choisissez comment? On est approché par notre groupe sur Facebook. Les gens nous envoient des emails, ils nous contactent via notre groupe et c'est comme ça qu'on est booké. La raison pour laquelle on a décidé de faire des spectacles bénéfices, c'est on s'est dit qu'en tant que groupe, on devait amener notre apport pour la société. On devait contribuer aussi et montrer aussi que les jeunes sont concernés par ce genre d'initiative. Alors justement, comment on peut vous rejoindre? Bon, il y a deux manières très faciles de nous rejoindre. Premièrement, il y a le groupe sur Facebook, www.facebook.com. Vous cliquez dans la barre de recherche Electro Family. Vous allez voir tout notre profil, tout ce qu'on fait. Il y a aussi les administrateurs. Si vous voulez contacter un de nous, il y en a 4. C'est facile. Puis il y a aussi notre site internet, le www.electrofamily01.skyblog.com. Alors, c'était les membres d'Electro Family. Kiki, Casanova et Flex. Pour Capharnaüm.